Monsieur Mélenchon, qui lui appelle quasiment à la sédition. Jean-Luc Mélenchon qui souffle sur les braises. Moi je ne partage pas du tout ce que dit Mélenchon quand il parle de mauvaise république. Sans heurts et les idées s'exprimer pacifiquement. Malheureusement, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, une fois de plus... Ne vous laissez pas domestiquer, quoi qu'il vous en coûte. Si vous êtes des insoumis, des insoumises, soyez-le jusqu'au bout. Les derniers à céder, c'est vous. À bas la mauvaise République. Quand on dit « à bas la mauvaise République », Jean-Luc Mélenchon est un bon orateur, il sait ce que ça veut dire, ça crée une confusion sur la légitimité de nos institutions, ça incite à une forme, il utilise parfois ce mot d'ailleurs, d'insoumission ou d'insurrection. Jean-Luc Mélenchon qui souffle sur les braises, qui a tenu des propos sur la police qui sont juste inacceptables en donnant le sentiment qu'elle, que c'est elle qui est à l'origine de ces violences. Moi je ne partage pas du tout... Ce que dit Mélenchon quand il parle de mauvaise république, je suis convaincu qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise république. Tout était bon pour faire la démagogie, pour exciter juste avant la manifestation une partie de la population. Il y a une partie de responsabilité, en tout cas on peut se poser la question, lorsque l'on voit quelques heures avant les manifestations, M. Mélenchon dire de tels mots contre le président de la République, de tels mots contre les forces de l'ordre, c'est lui qui dit la police tue, la police tue, la police tue, de tels mots, je crois, de violence vis-à-vis des institutions de la Ve République. « À bas la mauvaise République, dit-il. Chacun le sait bien, pour Jean-Luc Mélenchon, la seule bonne République, c'est lui. Pour notre part, nous sommes et nous resterons du côté de la République et de l'ordre républicain. Je vous remercie. »